Bonjour et bienvenue à tous dans ce petit film que j'ai réalisé pour vous partager un petit peu ma façon de travailler et puis vous montrer les produits que j'utilise. Voilà, alors pour faire des bons aphorismes, moi j'utilise des crayons, des stylos, des stylos pour papier normal ou sec. Pour papier gras, ça marche pas, hein. Donc je fais avec du... J'utilise essentiellement le crayonnasse. Voilà. Parce que j'avais essayé Écrivus avant, et Écrivus, ça marche pas trop bien. Ensuite, j'utilise des carnets petits carreaux, parce que le petit carreau, c'est beaucoup plus tendance, c'est plus stylé, et je trouve que ça va bien avec tout ce que j'écris. Alors j'utilise la marque Kaietos. Kaietos, je préconise Kaietos, parce que Scriatis, la texture et le grain, même la couleur du fond, c'est pas terrible. Voilà. Donc, des crayons crayonnas et des cahiers Kaietos, c'est très bon. Alors ça, c'était pour le hardware. Maintenant, pour le software, j'avoue que j'utilise de la stimulation intellectuelle. Alors j'ai une BS Crème, du déconnectile, hein. Une brainstorming crème, c'est très très bien. Alors j'en prends un petit peu, je me masse les tempes comme ça, et c'est très fluide, ça laisse pas de traces, ça pénètre immédiatement, il y a un coefficient de pénétration qui est excellent, et donc moi je suis très content du déconnectile. Par contre, j'avoue que j'essaye aussi, j'ajoute un petit peu d'humour, et donc j'utilise pour l'humour, j'utilise le Stimulextol. Le Stimulextol. Et je prends de l'humour en gélule, parce que j'avais essayé le suppositoire, mais ça fait pas très rigoler le suppositoire. Donc voilà, je prends en gélule, parce que c'est plus efficace. J'avais essayé un aérosol aussi, mais l'aérosol, ça donne qu'un humour de surface, quoi. Et j'ai essayé le comico-rectal, et le comico-rectal, c'est resté sans effet. Là, vous voyez, je viens de prendre une gélule, et puis voilà, ça vient. Vous voyez, je le sens, voilà. Déjà, rien qu'une gélule et les idées pullulent, vous voyez, c'est... Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours essayer. Si vous n'avez pas de gélule sous la main, que vous vouliez produire quelque chose, il y a un truc qui est pas mal, c'est le carambar. Vous jetez le bonbon, vous gardez le papier, c'est ce qui vous aidera le plus. Voilà. Et puis je sens que ça vient. Alors du coup, j'ai envie d'écrire, vous voyez. Et puis alors là, j'ai une idée. Voilà, ça y est, j'ai une idée de phrase. Si tu n'as rien à dire, tu peux toujours faire une vidéo. Et voilà.